Dimanche politique sur votre chaîne télévision Canal 3, bonjour. Votre émission Zone Franche reçoit un acteur politique et pas des moindres, jeune leader du parti Union Progressiste, qui va nous donner sa lecture des différents sujets qui constituent l'actualité politique de l'heure. En bonne place, la dernière décision de la juridiction constitutionnelle relativement à cette saisine au sujet de la prolongation du mandat présidentiel en cours et sur la question du parrainage. Au-delà d'une décision insuffisante de recours, il faut y voir une volonté du législateur béninois d'harmoniser les élections au Bénin, en témoigne l'arsenal juridique mis en place depuis un certain temps. C'est somme toute un combat politique que seul l'acteur politique peut défendre avec les mots qu'il faut afin de mieux se faire comprendre. L'exercice de ce jour se fait avec Richard Alossorun, avec qui nous passerons également en revue le bilan de la gouvernance Talon à quelques mois de la fin du quinquennat. Les relations entre le Parlement un peu trop taiseux et l'exécutif seront également en débat sur cette émission, sur laquelle nous souhaitons d'ores et déjà la bienvenue à notre invité. Zone Franche, simultanément diffusée avec le concours des radios partenaires, établie dans la zone septentrionale. Le plateau de ce jour sera animé avec mon collègue Wahab Alikbara. Bonjour Wahab Alikbara. Bonjour Herman Aniambosso. Bonjour honorable Richard Lassorou, bienvenue sur le plateau de Zone Franche. N'est-ce pas, il y a une affaire qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux et dans les milieux politiques. C'est bien entendu le parrainage et la prolongation du mandat du chef de l'État, n'est-ce pas, une résultante, dois-je dire, des réformes constitutionnelles et des réformes institutionnelles. Hier, les sept sages de la Cour constitutionnelle ont rendu leur verdict. Ils se déclarent incompétents, pour ne pas dire la Cour constitutionnelle se déclare incompétente dans cette affaire. Quelle est votre analyse, votre appréciation de cette réalité de nos jours aujourd'hui? Merci bien, messieurs les journalistes. Avant donc de répondre à votre question, je voudrais saisir l'opportunité que vous me donnez pour présenter donc mes voeux de pleine santé à tous mes compatriotes béninois. Quant à la question posée, je pense que la Cour a donné son verdict hier et les décisions de la Cour sont sans recours. Mais toutefois, nous avons notre petite idée de la chose. En ce qui concerne donc la Cour qui se déclare incompétente face aux différents recours, je crois que personne ne peut se substituer au pouvoir constituant. C'est ça. Personne, aucune institution ne peut se substituer au pouvoir constituant. Et la Cour l'incompétence de la Cour n'est pas formelle. L'incompétence de la Cour est sur le fond. Et c'est sur le fond de cette question que la Cour se déclare incompétente. La seule institution qui a les prérogatives aujourd'hui pour toucher, pour satisfaire la demande de nos compatriotes, c'est l'Assemblée nationale qui est souveraine. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ce lien avec la Cour constitutionnelle qui se déclare incompétente et l'Assemblée nationale? C'est justement parce que, pour beaucoup de Béninois, cette Assemblée nationale ne serait pas légitime à leurs yeux. Non, je crois que ce débat est déjà dépassé. Ce débat est dépassé, c'est déjà derrière nous. Notre Assemblée nationale, à cette date, on peut plus continuer de dire que c'est une Assemblée illégitime. Et pourquoi donc? Je crois aujourd'hui, notre légitimité n'est plus à démontrer. Et mieux, il n'y a pas un test. Il n'y a rien aujourd'hui, il n'y a pas un test qui dit que notre Assemblée est illégitime. Au contraire, il y a eu des élections, nous avons été élus, nous savons les conditions dans lesquelles les élections ont eu lieu. Tout ça, ça relève déjà de notre passé, je ne voudrais plus revenir sur ça. Mais aujourd'hui, je voudrais faire savoir à la face du monde que dans l'histoire politique des grandes nations, des grands pays, il y a toujours eu des moments d'hésitation, des moments où des événements assez douloureux, ça arrive à tordre le cours des choses. Aujourd'hui, si c'est le prix à payer pour que nous puissions aller de l'avant, pour que nous puissions doter notre pays d'un national juridique assez performant, je crois que nous sommes fiers
d'écrire cette histoire politique de notre pays-là. Donc, ceci dit, aucun pouvoir constitué ne peut donc supprimer ou suspendre ou modifier l'acte de volonté du pouvoir constituant. Et c'est pourquoi, tout simplement, la Cour se déclare incompétente, puisque par une décision qu'elle avait rendue, elle avait déjà déclaré cette constitution conforme. Oui. Et mieux, qu'on cesse de faire une amalgame. Oui. Nous n'avons pas deux constitutions, non. C'est la seule constitution de 1990 qui a été modifiée comme telle. Donc, c'est la même constitution qui a été modifiée. C'est-à-dire, malgré la modification, elle reste la constitution de 90. Tout à fait. Tout à fait. Les retouches apportées en 2019. Tout à fait. On n'a pas deux constitutions. Et c'est l'erreur que plusieurs de nos compatriotes font. On a une seule constitution qui a été modifiée. Et c'est ça qui est en vigueur, tout simplement. Alors, oui, c'est vrai, Patrice Talon a prêté serment en avril 2016 sur la base d'une constitution, laquelle a été modifiée, a connu des retouches. Et pour les opposants, pour l'opposition béninoise, pour ceux qui ont saisi la Cour constitutionnelle, c'est qu'ils ne devraient pas dépasser le 5 avril 2021. Quelle explication donnez-vous à ce qu'on peut appeler ajustement de mandat? Non. Vous savez, le président de la République a prêté serment le 6 avril 2016 sur la base des lois en vigueur, sur la base de la Constitution de 1990. Mais aujourd'hui, quand vous visitez même la Constitution de 1990 et celle qui est modifiée aujourd'hui, à l'article 4, c'est bien dit que le peuple exerce sa souveraineté à travers ses élus. Et ces élus, ce sont les députés, c'est le pouvoir constituant. Et c'est le même pouvoir constituant qui demande aujourd'hui ou qui légifère pour le seul but d'une application dans le temps, c'est-à-dire d'une application des normes dans le temps, c'est la même constitution voté par le pouvoir constituant qui permet au président de la République ou qui le contraint de rester jusqu'à passer service ou jusqu'à prêter serment ou non le 23 mai prochain. Donc il n'y a pas de débat à ce niveau. Il n'y a pas de débat, d'autant plus que entre le 5 avril 2021 à 0 h et le 6 avril, pendant que le nouveau président élu prenne face à toilette, qu'il mette la dernière chose de sa valise et qu'il aille prêter serment à Porte-Novo, qui dirige le pays. C'est pourquoi je dis tout simplement que c'est l'application des normes dans le temps, seulement que dans le cas d'espèce, c'est la durée qui est le problème. Et pour ça, je crois qu'on ne peut pas polémiquer autour de ça, parce que les objectifs pour lesquels on en est arrivé là, et ces objectifs, c'est ça qu'il faut chercher à savoir. C'est des objectifs nobles, et tout à l'heure, on va revenir là-dessus. Alors, honorable Richard Lossou, une certaine classe politique aurait souhaité, n'est-ce pas, que le chef de l'État respecte son serment, notamment déposer clic et claque, n'est-ce pas, le 5 avril 2021 à minuit, puisqu'à Porte-Novo en 2016, il a prêté serment de finir le mandat en cours, n'est-ce pas, le 5 avril 2021 à minuit. Non. Pourquoi ce point? Comment dire, cette prolongation, alors que pendant le mandat, le chef de l'État n'a pas revu sa prestation de serment pour finir le 23 mai 2021, comme vous le dites. Non, mais c'est ce que j'ai expliqué. C'est le pouvoir constituant qui oblige aujourd'hui le président de la République à se conformer à la loi. Mieux, le président a prêté serment, certes, mais dans la Constitution, si vous visitez et l'article 41, c'est dit que le président de la République est le chef de l'État et il est le chef, il incarne l'unité nationale et qu'il est garant de la Constitution, du respect de la Constitution.
et pas avoir de conséquences. Il est obligé, il est contraint, même si ce n'est pas le président Talon, il est obligé de respecter aujourd'hui ce que le pouvoir constituant lui demande de faire. Autrement, ce serait un parjure. Oui. Alors, dites-nous, quelles sont les réformes? On va parler politique. Quelles sont les réformes qui ont sous-tendu cette prolongation de mandat? Pourquoi n'avoir pas demandé, par exemple, que le chef d'État finisse son mandat le 5 avril et qu'on ramène les autres élections pour que ça puisse tenir dans le 5 avril 2021 ou dans le 5 avril de chaque année? De chaque 5 ans, je veux dire. Voilà. Oui, à ce niveau, il y a plusieurs centres d'intérêt. Oui, notamment. La volonté politique d'aligner les mandats. D'aligner les mandats. Nous avons le mandat des députés qui fait 4 ans. Le mandat des maires et conseillers communaux qui fait 5 ans. Le mandat du président de la République qui fait 5 ans. Et pour les aligner, il va falloir donc que les élections aient lieu au cours de la même période. Première raison. Deuxième raison, nous nous sommes dit que nous passons sur un quinquennat, nous passons plus de 3 ans à faire que la politique. En 2019, nous avons eu les législatives. En 2020, nous avons eu les élections communales et municipales. Municipales et communales. Ouais. Et en 2021, nous aurons les élections présidentielles. Ouais. 3 ans et plus que nous passons à être constamment en politique. Et ça, ça dessert notre pays. Ouais. Et il fallait forcément reformer ça aussi. Et du coup, pour le faire, le constituant que nous sommes a fait donc pour la mise en application de ces normes dans le temps, il faut forcément faire des ajustements. Vous voyez, aujourd'hui, pour le dépôt ou pour la déclaration de candidature, la loi nous demande de déposer les dossiers à la Sénat 50 jours avant le démarrage de la campagne électorale. Donc, entre janvier 2026, qui est l'année électorale, et le 5 avril à 0h, qui verra le mandat du président expirer, ce n'est pas évident qu'on puisse, dans cet espace-là, ouais, organiser les 3 élections. C'est pourquoi, déjà, qu'est-ce que la loi dit? À partir du mois de janvier 2026, c'est-à-dire la deuxième semaine du mois de janvier 2026, nous aurons les élections communales et législatives le même jour. Et la même loi nous dit que entre le premier dimanche du mois de février 2026 et le troisième dimanche du mois de février 2026, les conseils communaux sont installés. Et que le deuxième dimanche du mois de février, rigoureusement, l'Assemblée nationale est installée. Du coup, à partir de janvier 2026, entre janvier et le troisième dimanche du mois de février, c'est que nous avons les maires élus, les conseillers, tout ça installé, le Parlement installé. Oui. Et ce sont ces maires et députés élus en 2026 qui vont donc parrainer les probables candidats à la présidentielle de 2026. Et la même loi, pour respecter donc le quinquennat, a dû ajuster ce qui va se passer au cours de cette année pour que nous puissions respecter le quinquennat de 5 ans à partir donc des élections prochaines d'avril 2026. C'est juste ça. Donc, en résumé, c'est un ajustement pour l'avenir. Tout à fait. C'est un ajustement pour l'avenir. On ne dispose que pour l'avenir. Il y en a aussi qui disent que ces ajustements peuvent agir dans le futur, mais pas, c'est-à-dire que ces lois ne devaient pas être rétroactives. Non. Il n'y a pas une rétroactivité absolue. Non.
la rétroactivité peut être partielle ou elle peut être totale. Et tout ça, c'est défini par la loi. Et même en 91, il y a eu des dispositions transitoires. Il y a eu des dispositions transitoires. Pareil, ces dispositions que je cite aussi sont dans les dispositions transitoires de la condition de 90 modifiée. C'est juste ça. En 91, le président Nicéphore Soglo a prêté serment, si j'ai bonne mémoire, un 4 avril. Mais en 96, le président Kérékou, pour des événements modificateurs, a prêté serment, le 6 avril. C'est pourquoi nous sommes revenus au 6 avril. Il a prêté serment le 4 avril, n'est-ce pas? Et puisqu'il manquait une expression consacrée dans la Constitution, il est revenu le faire le 6 avril. Voilà. Donc, c'est des éléments modificateurs qui nous ont conduits du 4 au 6. Et aujourd'hui, ce qui se fait, ce n'est pas forcément la même chose, mais c'est dans l'optique d'améliorer les choses, de doter notre pays d'un national juridique assez performant pour la postérité. On construit pas un pays à travers les routes, à travers pas seulement à travers la fourniture d'électricité, d'eau, mais on construit aussi un pays à travers son national juridique. Et c'est ce que le Parlement d'aujourd'hui s'est vêtu à faire. Oui. Alors, quand vous dites qu'il n'y a pas de débat autour de cette actualité-là, ça peut surprendre plus d'un, parce qu'il y a un contenteur du régime qui estime qu'il faut un débat contradictoire. Je veux nommer professeur Joël Aïvor. Oui, bien évidemment, si je suis sur votre plateau ici, c'est la suite logique de l'appel lancé par le professeur Joël Aïvor, qui demandait donc à faire un débat contradictoire à ces sujets que nous venons de développer. D'abord, en premier lieu, je voudrais donc dire au professeur Aïvor, qui vient de quitter... qui vient de quitter donc ses bulles constitutionnelles, ou c'est pas son hibernage constitutionnel, pour se retrouver donc sur le terrain politique. Et on ne peut pas être sur le terrain politique et poser des problèmes politiques et en même temps vouloir faire un débat contradictoire avec un technicien. À moins qu'il se trompe de milieu. Serez-vous en train de dire qu'il y a une lecture plutôt technique et une lecture politique de cette actualité-là? Non. Son problème est très mal posé. Ce débat est d'abord politique avant d'être technique. La technique, c'est ça que nous venons de dire. Est-ce que la révision qui est faite, elle est faite par les paysans? Non. Cette révision constitutionnelle n'est pas faite par les paysans. C'est fait par le pouvoir constituant, par le législateur que nous sommes. Oui. Et c'est ça qui est technique. Est-ce que l'opposition continue de qualifier d'illégitime? Non, il faudrait qu'on sorte de ça. Et ça, je l'ai déjà expliqué. Tout ça, c'est derrière nous. C'est pourquoi j'ai dit tantôt que dans l'histoire politique... Mais l'opposition n'a pas encore digéré cette affaire. Ah, mais c'est normal. C'est normal parce que quand vous perdez le pouvoir ou quand vous avez le pouvoir, par instinct... Vous faites tout pour conserver votre pouvoir. Et si vous n'avez pas le pouvoir, vous agissez, vous faites tout ce qui est de votre force pour récupérer le pouvoir. C'est comme ça, on le leur concède. Est-ce que le défaut de consensus, un peu comme pour faire retour à la situation de 1990, n'est pas un problème technique? Et donc, qui peut appeler un débat technique autour de la révision de la Constitution? Non. Voilà encore... un mot sur lequel beaucoup de Béninois s'attardent à faire des polémiques inutiles. Le consensus. Le consensus. Le consensus, à ce que je sache, n'est pas un thème, technique de droit. Non. Le consensus n'est pas un thème de droit. C'est un thème politique. C'est un thème politique. Quand on parle de majorité qualifiée, on sait ce que ça veut dire. Oui.
Ça, c'est un thème technique de droit. Quand on parle de majorité relative ou majorité absolue, on sait ce que ça veut dire. Mais quand on parle de consensus, à combien on peut estimer que bon, le consensus est atteint? Ça, c'est absurde. C'est pourquoi je dis que le consensus n'est pas un thème technique de droit, mais c'est un thème politique sur lequel on peut s'accorder pour trouver le juste milieu des choses. Ouais. Et mieux, c'est un thème que la jurisprudence, qu'on appelle la jurisprudence, a considéré comme, a pris comme un thème qui a un principe à valeur constitutionnelle. C'est ça. Mais ce débat est dépassé. La Cour actuelle a déjà dépassé ça. Et mieux, quand l'impératif constitutionnel voit le jour, le consensus disparaît. Et l'impératif constitutionnel, c'est ça que le constituant de 2019 a fait en révisant la constitution de 90 et en dotant notre pays d'une constitution qui est la même mais modifiée, et qui est la loi fondamentale en vigueur aujourd'hui. Donc voilà ce que je peux expliquer par rapport au consensus. D'accord. Maintenant, si on quitte ce volet lié donc à la prorogation du mandat du chef de l'État, il y a la question du parrainage, n'est-ce pas, qui conditionne, dois-je dire, la candidature en 2021, en avril 2021. Comment cela se déroule au sein de, dois-je dire, du Parlement? Le débat qui se fait, ne serait-ce que dans les coulisses, c'est quoi concrètement? Non, mais écoutez, aujourd'hui, c'est vrai que le système, le parrainage institué par la Constitution fait assez de polémique. Et la seule chose qui crée cette polémique, ce sont les élections de 2019, élections où nous sommes retrouvés donc comme deux partis politiques de la même obédience à aller aux élections. Voilà. Donc, c'est juste là où se pose le problème aujourd'hui. Sinon, à part ça, il n'y a pas un débat qu'on peut faire autour de cette réforme-là qui est instituée aujourd'hui. Et le parrainage dont on parle aujourd'hui, si on doit considérer la configuration actuelle du Parlement et les maires à divers niveaux, le président de la République seul ne peut pas être candidat pour aller aux élections présidentielles. Mais il y a l'opposition qui estime que même s'il n'est pas seul à être candidat, avec les partis politiques à qui, à sa cause, l'Assemblée nationale qualifiée de monocolore, c'est un peu comme si c'est le chef de l'État candidat qui désigne qui doit être candidat à ses côtés. Non, évidemment non. Aujourd'hui, nous sommes contraints de parrainer tous ceux-là qui désireraient aller aux élections. Tous. Bien sûr. Mais si, juste là, on n'a pas encore un candidat, juste là, moi, je n'ai vu aucun candidat qui m'ait approché pour demander à être parrainé. Non. Juste là, on ne sait pas quels sont les potentiels candidats de l'opposition. Je n'en connais pas encore. Si ce n'est pas certaines personnes qui se prononcent par-ci et par-là. Mais dans tous les cas, le chef de l'État même l'a exprimé lors de sa tournée, que tous ceux qui désireraient aller aux élections auront le parrainage. Et s'ils viennent vers les parrains et qu'ils arrivent à les convaincre à travers leur projet de société, pourquoi ne pas les parrainer? Ils seront tous parrainés. Alors vous, les craintes de l'opposition quant à l'obtention des parrainages ne sont pas fondées, ces craintes-là? Ne sont pas fondées, puisque logiquement, aujourd'hui, les deux parties de la mouvance ont des parrains. Seul le parti de l'opposition, la FCBE, détient aujourd'hui, je crois, six parrains. Mais avec six parrains, qu'ils en ont besoin de 16. De 16. Donc nous sommes contraints de les accompagner. Et bien d'autres partis politiques aussi qui aimeraient, ou d'autres candidats qui désireraient faire cette compétition. Ils seront tous parrainés. Le chef de l'État l'a exprimé lors de sa tournée, la compétition aura lieu et nous aurons une
élection assez festive. Alors, c'est-à-dire que c'est le chef de l'État qui donne la main, c'est le chef de l'État qui guide les choses. Non. C'est la lecture qu'une certaine classe politique a à l'heure actuelle. Pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas lui. Parce que je viens de dire que les candidats sont libres d'aller vers les parrains, puisqu'on n'a pas reçu instruction pour ne pas parrainer telle ou telle personne. Et très rapidement, qu'est-ce qui peut convaincre l'honorable Richard Alassouhou pour apposer son parrainage à un candidat? Qu'est-ce qui peut vous convaincre concrètement? Mais la seule chose qui peut me convaincre, c'est le projet de société. Si je trouve que celui que j'ai en face de moi est mieux, a un programme assez constitué par rapport à mon candidat, je peux le parrainer. Et mieux, je peux le parrainer sans pour autant peut-être faire campagne avec lui, parce qu'il appartient à un parti politique. Et au nom de la démocratie, ça doit se faire, forcément. C'est pas que ça peut se faire, mais ça doit se faire pour que nous puissions être tous en compétition. Mm-hmm. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas une perte d'énergie que de soutenir Sidonda, de parrainer un candidat et ne pas l'accompagner? Oui. Dans le contexte actuel, je crois que nous n'avons pas autre choix que d'accompagner tous ceux-là qui aimeraient être candidats. Puisque, à les écouter, surtout l'opposition, c'est des candidats qui se disent avoir le peuple avec eux. Si vous avez le peuple avec vous, si vous avez toute la nation avec vous, et que c'est seulement le parrainage qui vous empêcherait d'atteindre vos objectifs, mais prenez le parrainage et laissez-nous aussi dans nos obédiences pour que nous puissions aller à la compétition. Ce n'est que ça. Le débat voulu par professeur Joël Aïva, il veut que ce soit un débat entre sachants. Il demande d'aller fouiller les juristes de haut niveau qu'il y a dans la mouvance et de lui trouver quelqu'un pour le débat. Est-ce que finalement ce débat-là aura lieu? Je crois que c'est une question suffisamment banale. C'est une question banale qui n'a pas besoin d'un technicien ou d'un juriste de haut niveau. D'abord, je disais tantôt que le professeur Joël Aïva vient de sortir de ses bulles constitutionnelles. C'est-à-dire? Il vient de sortir de son hibernage constitutionnel et il descend sur le terrain politique. Et sur le terrain politique, tu ne peux pas vouloir faire un débat et appeler à faire ce débat avec un technicien. Non, le problème est mal posé. Ce débat doit se faire avec un acteur politique, puisque tu es sur le terrain politique, à moins qu'il se trompe de milieu. Et je voudrais aussi lui signifier que le milieu politique, c'est comme une jungle. C'est comme une jungle où il n'y a que des prédateurs. Il n'y a pas de proie. Il n'y a que des prédateurs. Et quand tu faiblis un peu, tu peux devenir tu auras beau être prédateur, mais tu peux devenir une proie. Et quand tu es un fin stratège, tu pourras peut-être sortir avec des égratignures. Donc, le milieu politique est différent de ces bulles constitutionnelles. Ça fait un. Deuxième chose que je voudrais donc apporter, c'est que son appel à un débat contradictoire est dénudé, je vous en prie, de toute humilité. Quand il dit « allez fouiller », que le gouvernement aille fouiller, chercher, on cherche quoi? Ce qui est rare, ce qui est difficile à trouver. Pour moi, c'est hautain. Et quand on aspire à diriger ou à prendre les rênes de toute une nation en main, le minimum demande donc d'aller à l'école de l'humilité. Autrement, je dirais qu'il faut réveiller ou qu'il faut appeler Adema pour faire donc ce débat-là avec lui. Le père de la juridiction constitutionnelle, vous l'avez dit. Tout à fait, c'est le père fondateur donc du droit constitutionnel. Il est décédé vers 1913. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voudrais lui dire. Elle lui dit que dès que tu viens dans le milieu politique, n'importe qui peut chercher à faire un débat avec toi. Un quidam. Encore qui n'est pas le seul à revendiquer un tel débat. Il y a également Eric Goundeté, qui est également de l'opposition, membre leader des démocrates, qui demande qu'on supprime certaines choses. Il y en a même qui, à la limite, vont à des menaces.
Tout à fait, c'est logique. C'est logique. Plutôt que d'un débat contradictoire, on peut venir éclairer le peuple. Je préfère encore ça, de venir éclairer l'opinion, que de chercher à faire un débat contradictoire avec un juriste de haut niveau, qu'il faille fouiller, chercher avant de trouver. Non, qu'il vienne expliquer, parler à son peuple, par respect donc, pour ce peuple. Et c'est l'exercice-là que j'essaye de faire aujourd'hui en étant donc sur votre plateau. Alors, il y a l'opposition, hein, qui, c'est pour ne pas dire la classe politique qui acclame, la classe acquise donc aux actions du chef de l'État qui acclame donc ses actions. Mais il se trouve que l'opposition a de ces attaques quelque peu viscérales à l'endroit du gouvernement à travers donc ses actions. Pensez-vous que ce sont des attaques fondées, justifiées? Oui, ce sont des attaques fondées, justifiées, puisque chacun dans son rôle. Chacun dans son rôle. Quand vous n'avez pas le pouvoir et que vous cherchez à obtenir le pouvoir, à avoir le pouvoir, et on use de tous les moyens à sa portée pour avoir le pouvoir. C'est logique, c'est humain, c'est normal. Mais je voudrais dire tout simplement que nous, acteurs politiques, nous avons l'art de tromper le peuple. Nous avons l'art de manipuler le peuple. Nous avons l'art de manipuler la jeunesse, les femmes, les hommes et tout le monde. Parce que, en réalité, ce que fait le président de la République aujourd'hui et son gouvernement, ils savent le bien fondé de tout ce qui se fait. Mais au nom de la politique, on se refuse de ne pas croire en ça, de ne pas voir ce que tout le monde voit. C'est ça, et c'est ça qui est dommage. Et on met la jeunesse devant comme un bouclier. Vous n'avez pas demandé à l'opposition d'acclamer un pouvoir. Oui, mais c'est pourquoi je dis qu'ils sont dans leur rôle. On peut pas leur refuser ça. Non, ils sont dans leur rôle. Donc, ils ne peuvent pas dire que tout ce qui se fait aujourd'hui est bien. Ils ne peuvent pas dire. La preuve, vous n'allez pas les voir attaquer les réalisations du président Talon. En 4 ans. Non. Mais qu'est-ce qu'on brandit tout le temps, le peuple a faim? Qu'est-ce qu'on brandit tout le temps, la démocratie a reculé de 50 ans, alors que nous sommes quand même libres dans notre pays? Alors qu'est-ce qui est fait en ce qui concerne ce détail-là, le peuple a faim? Quelle réponse on apporte à ce peuple qui a faim? Mais le président de la République a suffisamment répondu à ça lors de ses tournées. Et le peuple a faim. Ça peut s'expliquer sur beaucoup de pans. Même nous qui sommes dans le système, qui sommes des acteurs politiques aux côtés du chef de l'État, nous avons tous fait. Wow. Et oui, c'est une vérité. Nous avons fait. Parce que ce qu'on voyait venir, ce n'est pas ça. Je vous dis la vérité. Je ne fais pas la langue de bois avec vous. Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont faim et qui pourtant sont heureux? Mais tout à fait, et j'en fais partie aussi. Écoutez, quand j'allais au Parlement, je me suis dit, bon voilà, enfin l'heure a sonné, on aurait appris qu'il y a de l'argent qui quitte à gauche. C'est-à-dire que c'est ça qui vous a motivé? Non, je ne sais pas, en tant qu'humain, je sais que je me suis dit, ben certainement, voilà, je vais découvrir. De curiosité. Mais arrivé là-bas, écoutez, j'ai vu la réalité en face. J'ai vu la réalité. Enfin, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les réformes qui sont en vue depuis plusieurs années ont fait que plus aucun Béninois aujourd'hui n'a le gap. On n'a plus le gap. Chacun vit avec sa juste rétribution. Partant des agents au niveau des ministères jusqu'aux acteurs politiques, les ministres et tout ça. Les faveurs. La facilité avec laquelle on avait l'argent hier, ce n'est plus possible aujourd'hui. Non, ce n'est plus possible. On a tous peur d'être passible de concussion. Est-ce que finalement, sur le terrain de la lutte contre la corruption et sur l'autre terrain, lutte contre l'impunité, vous voulez dire que Patrice Talon a réussi un gros coup à ce niveau? Ah oui. Ça, je lui tire un chapeau par rapport à ça. Sa lutte a été très efficace. Sa lutte, quand bien même d'autres disent que c'est une lutte orientée, ce n'est pas grave. Moi, je ne sais pas si c'est le cas, mais pour moi, je dis,
si c'est orienté, aucune situation n'est permanente. Non, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, le pouvoir peut changer demain. Et la loi nous permet de revenir sur des faits de concussion posés par certaines personnes qui avaient à charge une certaine responsabilité à un moment donné. C'est possible. L'essentiel est que ça commence quelque part. Et ça a déjà commencé. Ça tape dans tous les sens. La corruption a-t-elle réellement reculé? La corruption, je réponds en disant que la corruption a reculé de façon drastique dans notre pays. J'ai dit la dernière fois au Parlement que les Béninois arrivent à faire aujourd'hui une démarcation nette ou à respecter la ligne fluorescente de démarcation entre le bien public et les biens privés. Aujourd'hui, c'est clair, on n'arrive plus à toucher aussi facilement à l'argent de l'État. Et c'est consécutif à plusieurs réformes que nous ne percevons pas. Et ça fait partie donc des réformes invisibles. Apporter une petite lumière sur ces réformes très rapidement. Ben, je prends l'exemple par exemple de la CVO. La cellule des voyages officiels. Où il y avait une nébuleuse autour de l'achat des billets d'avion. Les gens qui voyagent. Des gens qui sont dans leur bureau, mais qui sont en mission, par exemple, en France, en Afrique, dans la sous-région. Quelle d'ambiguïté. Exactement. Ouais. Ça, c'est des phénomènes qui ont existé. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus. Je prends une réforme sur, comment il appelle, le CEMO. Oui. Le CEMO, je crois, le système d'encadrement des missions officielles. Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus de chevauchement de missions. Non, mais hier, la même personne est dans son bureau et il est en mission partout. Oui. Donc, toutes ces réformes que j'appelle des réformes invisibles font que l'État dispose davantage de ressources pour investir. Et contrairement à hier, où les individus s'enrichissaient abondamment, mais aujourd'hui, c'est le contraire que nous avons. L'État se retrouve dans ses finances. L'État devient de plus en plus riche et nous voyons notre pouvoir d'achat s'appauvrir. C'est tout ce qui est le problème aujourd'hui où on dit que l'argent ne circule pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que le président de la République, dans ses sorties, quand il se décide de remercier ou de parler au peuple des réalisations qu'ils ont faites, il remercie tout le monde, tout le peuple béninois pour avoir serré la ceinture, pour l'avoir accompagné. Parce que c'est aussi un sacrifice que tout un chacun de nous fait pour pouvoir accompagner le pays, pouvoir accompagner donc ces actions. Donc c'est comme une forme de bilan que fait le chef de l'État, surtout en ce qui concerne le programme d'action du gouvernement décliné ces 4 dernières années, pour ne pas dire ces 5 dernières années. Quelle est l'option qui est faite actuellement? Oui, l'option qui est faite actuellement, c'est comme un bilan que le chef de l'État est en train de faire aujourd'hui. Voilà notre président élu depuis 5 ans et qui n'est pas sorti pratiquement de son palais au vu donc de la charge de travail à abattre, au vu du niveau auquel il a pris les destinées de notre pays en main et qui se voit donc aller vers la fin de son mandat. Il est quand même nécessaire pour lui d'aller vers donc les populations pour donc essayer de leur présenter ce qui est fait juste là. Donc c'est un bilan qu'il est en train de faire comme ça. C'est une reddition de compte que le président est en train de faire en parcourant presque tout le Bénin déjà pour expliquer, pour dire ce qui est fait, pour dire ce qui n'est pas encore fait et ce qu'il pense faire donc pour les années à venir. C'est vrai que le chef de l'État, dès le départ, a dit que le Bénin, à la fin de son mandat, sera révélé. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, quand on fait un petit bilan de son PAG, du PAG, est-ce que pour vous, le Bénin se révèle et se révélera davantage? Oui, le Bénin s'est suffisamment révélé déjà. Il faut sortir donc du pays pour écouter un peu ce que les gens, les autres pays ou les gens pensent
du Bénin. Et que disent les gens hors du Bénin sur le Bénin? Sur le Bénin, écoutez, j'ai la chance d'être un parlementaire de l'UEMOA, donc des 8 pays de l'UEMOA. Et je me suis habitué, ou j'ai fait l'exercice, à expliquer un peu tout ce qui se fait dans notre pays en matière de réforme politique et institutionnelle, en matière de réforme dans l'administration. Mais j'avoue qu'ils sont, ils sont surpris des grands changements que nous avons obtenus. Et mieux, il y en a qui demandent à s'approprier de nos tests, à s'approprier de nos réformes. Et ça ne m'a pas gêné de leur donner ça. Donc, mais avant même qu'on entame les débats, eux-mêmes, ils disent, mais écoutez, votre président, vraiment, il travaille bien. J'aimerais que mon président soit comme ça. J'aimerais que mon président soit ainsi. Donc, notre président est encensé partout. Alors, quels sont les grands projets qu'on peut présenter hors du Bénin, n'est-ce pas, pour vendre le Bénin, pour révéler davantage le Bénin? Sinon, quels sont les projets qui ont révélé le Bénin? Mais les projets qui ont révélé le Bénin, c'est les projets, je dirais, des actions qui sont visibles. C'est les routes, c'est la fourniture d'eau et d'électricité. Aujourd'hui, le président l'a dit la dernière fois, nous sommes à un doigt de fournir l'électricité ou d'être autonome en matière énergétique. Ça, c'est incroyable, en 5 ans seulement. Et mieux, d'ici 2021 ou dans 18 mois ou dans 2 ans pratiquement, nous aurons l'autonomie totale en matière d'énergie. Ça, c'est une prouesse. C'est une prouesse. En matière d'eau aussi, d'ici 2 ans, tous les Béninois auront de l'eau à boire. Et l'eau, c'est vital. Chez moi, dans le Koufo, juste derrière, juste après le centre-ville, les gens n'ont plus de l'eau. Mais si d'ici 1 an, 2 ans, toutes ces populations-là auront l'eau potable à portée, mais c'est le défi de plusieurs décennies qui est relevé en si peu. Donc, il y a tellement d'actions invisibles, il y a tellement d'actions visibles qui rehaussent aujourd'hui notre pays. Et cela, sur tous les plans, sur le plan sportif, sur le plan culturel, sur le plan économique. Voilà un pays aujourd'hui qui refuse de rentrer dans le lot des pays qui demandent l'annulation des dettes. C'est incroyable. C'est une politique économique à soutenir et à encourager. Et ça veut dire que nous sommes un pays sérieux, un pays qui respecte ses engagements vis-à-vis de ses partenaires financiers. Donc voilà. Avons-nous la possibilité de vendre le Bénin à travers son tourisme et sa culture? Oui, à ce niveau, le Bénin a un programme alléchant en matière touristique. Et tout ce qui est annoncé ou tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui à Ouida, un peu partout, tout ça, ça illustre de ce que notre avenir en matière culturelle et touristique a fait déjà son petit bonhomme de chemin. Mieux, les objets d'art qui vont être transférés d'ici à là pour notre pays, mais quand même, ça rehausse. Ça rend le Béninois dans toute sa dignité. C'est tout comme si ce sont nos esprits, nos âmes emportées qui reviennent. Et ça, la seule, je sais que tous les Béninois qui n'ont pas eu la chance de voyager pour aller voir ces objets profiteront pour aller voir là où c'est exposé. Même si il fallait payer quelque chose en retour, mais personne n'hésiterait à aller voir. Allez, c'est notre esprit, c'est fort. C'est-à-dire cette forte curiosité autour des œuvres d'art qui vont revenir, n'est-ce pas, envoie en même temps directement l'argent dans les caisses. Tout à fait. Ne serait-ce que cette action seule, franchement, sur le plan touristique, sur le plan culturel, le Bénin a fait un géant pas. Et je suis convaincu que beaucoup d'autres pays vont suivre désormais ou vont emboîter désormais
le pas de notre pays. Justement, oui, sur ce plan, on peut décerner une palme d'or au Bénin. Mais sur la question de la démocratie, il y a ceux de vos collègues de l'extérieur qui pensent aussi que le Bénin a consacré un recul grave de la démocratie. Mm-hmm. Que répondez-vous à ceux-là, honorable Alassane Richard? Non, c'est normal. Bon, la démocratie, c'est une doctrine. Mm-hmm. Oui, les principes démocratiques, c'est des doctrines. Et ces doctrines ne sont pas figées. Les doctrines qui sont évolutives. Mieux, cette démocratie, honnêtement, pour moi, pour ma part, n'est pas adaptée à nos mœurs et traditions. Non, je ne sais pas en quoi l'on dit que notre pays a reculé. Ils vont citer peut-être les exilés. Est-ce que tous ceux qui sont exilés sont vraiment des exilés politiques? Je ne voudrais pas faire ce débat parce que ça ne me plaît pas souvent de faire ce débat parce qu'il y a tellement, tellement de non-dits autour de ce qu'on appelle aujourd'hui les exilés. Est-ce que quelqu'un a voulu marcher aujourd'hui? Est-ce qu'on empêche quelqu'un de s'exprimer librement aujourd'hui si celui-là ne se met pas, n'enfreint pas aux lois de la République? Non, je pense que non. Nous sommes tout à fait libres dans notre pays. Seuls les acteurs politiques de l'opposition peuvent brandir ça. Mais le monde entier sait que notre pays reste et demeure un pays démocratique. Et je ne voudrais pas faire la langue de bois avec vous. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est pas quand on met la rigueur dans la gestion de la chose de l'État, ça ne veut pas signifier une dictature. Non, aujourd'hui, la rigueur dans la gestion, dans la gouvernance, fait que les gens assimilent cette gestion à de la dictature. Oui. Non, c'est le respect des textes de la République, c'est le respect des lois tout simplement, et chacun est libre d'aller et de revenir. Est-ce que sur le plan de la solidarité gouvernementale, vous pensez que Patrice Talon, également, sur ce plan, a fait de gros efforts? Vous mettez quoi dans solidarité le fait que, oui, en tel nombre d'années, on n'est pas assisté à un chamboulement de portefeuille ministériel. Les ministres sont là depuis un bout de temps. Au niveau des directions, c'est maintenu, ils sont maintenus à leur poste. Et voilà. Est-ce que vous pensez que, oui, ça a pu contribuer quand même à rehausser un peu ou à faire développer davantage le pays? Tout à fait. Tout à fait, parce que il est vrai que on a eu peu de remaniements et peu de changements à la tête des directions de l'État. Si tu ne commets pas, si tu n'es pas passible de concussion ou de corruption ou de dilapidation des fonds de l'État, bon, tu restes à son poste. Mmh. Et c'est ce qu'on a constaté donc pour la plupart des directeurs et ministres nommés. Mmh. Et l'avantage que l'on gagne en cela, c'est qu'il y a une suite logique. Il y a une vision qui est suivie du début jusqu'à la fin par les mêmes acteurs qui maîtrisent au mieux tout ce qui a sous-tendu la planification, l'élaboration de ces idées, et ils sont les premiers ou les plus habilités à conduire cette planification-là du début jusqu'à la fin. Mais si, après avoir fait la conception, un mois, deux mois dans la mise en œuvre, c'est quelqu'un d'autre qui viendra continuer. Il va lui falloir retourner encore en arrière pour revoir les idées, les motivations, chercher à comprendre avant donc d'évoluer. Donc cette solidarité a fait que les projets se conduisent donc assez facilement et normalement. Alors, honorable, ces deux dernières années, on a constaté que tout va bien, sinon très bien, entre le Bloc républicain et l'Union progressiste. Et tout va bien également entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, puisque beaucoup de choses se font sans heurts. Les budgets et autres sont votés à temps. Quelle est votre appréciation? Oui, mon appréciation, c'est à la faveur, bien sûr, de la configuration. Oui, c'est à la faveur de la configuration actuelle de notre Parlement qui n'est pas entièrement une mauvaise chose. Non, c'est une situation exceptionnelle et qui a fait qu'il y a une alchimie entre
qu'on appelle l'Assemblée nationale et le pouvoir exécutif. La chimie qui permet aujourd'hui d'accompagner les actions du gouvernement. Malgré la séparation nette des pouvoirs. Non, il faut pas qu'on continue de voir l'Assemblée nationale comme une continuité du gouvernement. Non, et elle ne l'est pas. Mais on pense que à l'Assemblée, il faut toujours aller contre l'exécutif. Mais même dans une Assemblée qui n'est pas monocolore, où on a une minorité et une majorité, ce qui existe encore parce que nous avons aussi une minorité, une majorité. Donc, il y a des lois qui peuvent venir et être votées par les deux ensembles. Et la majorité et la minorité. Ça ne veut pas dire que cette assemblée est monocolore. Non. Donc, de la même manière, toutes les lois qui viennent, si nous voyons les bien fondés de ces lois, nous les votons, nous accompagnons le gouvernement. Et il n'y a pas, question de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas une rivalité entre l'UP et le BR. Comment cette rivalité se manifeste à l'Assemblée nationale? Comment ça se fait concrètement? Puisqu'on ne sent cela, on ne sent pas cela. Mais non. À l'Assemblée nationale, le débat se fait. Le débat se fait depuis même qu'on appelle les travaux en commission, mais jusqu'à l'intérieur. Mais sans toucher forcément à nos sensibilités politiques. Mais en touchant donc au fond à la question liée au fond des lois qu'on nous a apportées. Mais je voudrais continuer en disant que d'ici à là, dans quelques années, je vous assure que beaucoup de pays de la sous-région viendront à l'école des réformes politiques et institutionnelles de notre pays. Pourquoi? Parce que, je dis, en 2023, la nouvelle constitution modifiée prévoit des élections législatives. Oui. Et les députés qui seront élus en 2023 auront à faire qu'environ 3 ans. Dans le même ordre d'idée, les maires et conseillers élus en 2020 auront à faire 6 ans. Aujourd'hui, caillant, ceux qui ont traité nos lois de chrysogènes et de tous les noms d'oiseaux parviennent à se conformer à ces lois-là. Je les en remercie d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de 2023, le cycle normal va recommencer. L'élection législative de 2023 verra au moins une dizaine de partis politiques compétir. Ça veut dire qu'à cet instant, l'Assemblée nationale n'aura plus cette configuration. C'est-à-dire que c'est à l'heure actuelle que la pilule est amère, mais on l'avale petitement. Mais tout à fait. Tout à fait. C'est une situation exceptionnelle. C'est un Parlement de transition. On ne peut pas avoir froid aux yeux pour le dire. Et c'est pourquoi je dis d'ailleurs que dans l'histoire politique de chaque pays, il y a toujours des moments difficiles, des moments douloureux et qui amènent ces pays finalement à emprunter donc ou à déboucher sur le boulevard du développement, sur le boulevard du progrès durable. Voilà. Et nous sommes à cette épreuve. Et les élections présidentielles qui viennent, ces réformes seront encore pour une dernière fois éprouvées. Et puis après ça, nous allons rentrer donc dans le cycle normal et vous verrez que beaucoup viendront pouvoir. Nous aurons d'ici à là une visibilité totale dans le paysage politique de notre pays. On aura une visibilité. Vous voyez, de plus de 300 partis, nous sommes venus à environ 10 partis aujourd'hui. Et c'est de véritables partis nationaux. Et mieux, si on ne sait pas faire, en 2026, pour une fois dans notre pays, un parti politique pourra générer à lui seul un président de la République. Ça, vous y croyez? J'y crois fermement. Alors, justement, quand il a évoqué tantôt les relations entre le Parlement et le gouvernement, oui, c'est vrai, le Parlement vote des lois, mais contrôle aussi l'action gouvernementale. Sur ce terrain-là, on vous fait le reproche de ne pas assez ouvrir les yeux pour contrôler ce que fait le gouvernement. En raison de votre affinité avec le gouvernement. L'affinité, je dois dire, de l'Assemblée nationale avec le gouvernement, pas votre personne, en fait. Non. Est-ce que c'est une affinité
quand on dit que c'est une affinité, c'est tout comme s'il y a, c'est pas une complicité qui dit pas son nom, il n'y a pas de complicité. Non. Quand, s'il faut décider, s'il faut légiférer, si c'est fondé, il n'y a pas question à faire polémique autour. Ouais, il n'y a pas question à faire polémique autour si les lois ou tout ce qu'on nous apporte ou la gouvernance elle-même, on n'a rien à dire par rapport à ça, il n'y a pas question de faire polémique autour. Mais je vous le cache pas, il y a beaucoup, il y a plusieurs questions qui sont déjà posées au gouvernement, mais vu la densité des travaux que nous abattons depuis notre entrée au Parlement, qu'on appelle le bureau de l'Assemblée nationale n'arrive pas à programmer assez régulièrement ces plénières là pour que nous puissions véritablement jouer ce second rôle du député qui consiste à contrôler l'action du gouvernement. Mais ça a commencé. Oui, ça a commencé petitement et timidement. Est-ce que ça va évoluer comme ça ou c'est juste parce que il y a une élection, vu les députés aussi veulent se donner aussi bonne presse? Ah mais non, mais il fallait que ça commence un jour. Même si c'est timidement, il fallait quand même... Comment le dire, pourquoi maintenant? Ah mais pourquoi maintenant? C'est parce que c'est maintenant que nous avons eu quand même un répit, un bout de temps. Ouais, et puis l'année passée aussi, je crois, il y a eu des questions qui sont passées. Et même, je me rappelle, le 9 janvier 2020, une de mes questions était passée concernant le nombre pléthorique donc de d'écoliers dans nos salles de classe et tout ça. Donc peut-être que, vu le contexte politique actuel, beaucoup de nos compatriotes, peut-être, ne suivent plus les débats parlementaires. Mais nous faisons le débat. Nous faisons le débat. On n'a pas senti le Parlement, la 8e législature, se prononcer sur la question, par exemple, de la crise sanitaire, la question, beaucoup d'autres questions qui touchent au quotidien des Béninois. Mais quand quelque chose va... va bien, bon, à quoi bon de chercher à s'intéresser encore à ça? Notre pays fait partie des meilleurs pays qui ont quand même pu anticiper en ce qui concerne les mesures... Sur le plan de riposte contre le coronavirus. Tout à fait, sur le plan de riposte donc contre le coronavirus. C'est ici qu'on a entendu pour la première fois parler de cordon sanitaire. Et nous sommes pratiquement les premiers pays à rendre obligatoire le port du masque. Donc, c'est bien après nous que les pays comme la France, qu'on a toujours cité en exemple, ont dû emboîter et nos pas. Donc, je félicite d'ailleurs le gouvernement pour cet exploit, pour avoir circonscrit à sa manière la crise avec le peu de moyens dont il dispose. Alors, il y a des chantiers qui sont en cours, hein, des chantiers entamés par le gouvernement, contenus donc dans le programme d'action du gouvernement. À quand leur fin? Et quel est le résultat qui est attendu à l'heure actuelle? Oui, aujourd'hui, il y a des travaux en cours, il y a des travaux qui sont achevés. Ça ne peut qu'être comme ça. Le délai, je n'ai aucune idée, mais c'est que les questions liées à l'asphaltage, il y a phase 1, phase 2, 3 et 4... Mais je sais qu'au cours de cette année 2021, tous ces travaux-là vont s'achever et les phases suivantes donc, vont commencer. Il y a une série de stades en construction. En 2021, ça va terminer. Il y a une seconde phase déjà qui est programmée, ça je sais. Donc de façon exhaustive, je ne peux pas dire tout ce qui reste à faire, tout ce qu'il y a à faire. Mais dans tous les cas, tout le pays est en chantier, tout le pays est en mouvement. Et c'est ce que nous pouvons toucher de doigt. Petitement, on commence par respirer un présidentiel d'avril 2021. Comment vous entrevoyez les choses actuellement? Oui, je crois que dans nos états-majors, nous les organisons déjà, tout doucement. Ça bouillonne, ça se bouscule. Tout à fait, ça se bouscule. Surtout avec le ticket présidentiel. Tout à fait. Jusque-là, on n'a pas encore entendu l'UP se prononcer sur la candidature de Patrice Talon. Sur la candidature de Patrice Talon. Ben, bon, ce n'est pas à moi maintenant de parler au nom de l'UP. Non, il y a des voix suffisamment plus indiqué. Mais est-ce qu'au moins un travail se fait au sein du parti? Tout à fait. L'UP, à l'UP, nous sommes assez cohérents. On n'est pas dans la précipitation. On est organisé, on est structuré. Chacun joue son rôle. Et je crois que d'ici à là, vous verrez le candidat ou
de l'Union progressiste. Qui a trop de chances d'être candidat à l'Union progressiste? Ça, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Oui, justement, vous allez conclure. Nous sommes au bout de notre entretien. Merci beaucoup, chers amis journalistes. Mon mot de fin ira donc vers mes compatriotes béninois pour leur dire que dans nos démarches au quotidien, dans nos faits et gestes, que nous puissions avoir à l'œil que nous devons ou que nous avons l'obligation de cultiver la paix. La paix, et rien que la paix. C'est mon mot de fin pratiquement. Rien ne vaut la paix dans un pays, rien ne vaut la paix dans une nation. Donc cultivons la paix, quelles que soient les intrigues politiques, cultivons la paix et vous verrez que les choses iraient mieux. Merci. Merci à vous, Richard Alassoron. Merci également à vous, Rabali Parado. C'était donc votre émission Zone Franche, une émission qui recevait donc ce dimanche pour votre éclairage, Richard Alassoron, député de l'Union progressiste. Merci de nous avoir suivis. À très vite.